Et c'est parti. Hop. Ice bath sous la pluie. Mon canard dit 9 degrés là. Pourtant, on dirait qu'il y a moins. Elle est froide là. Bon, j'ai clairement déjà fait plus froid, mais elle est quand même froide. Ça fait 1 minute 15. Sous la pluie, c'est assez spécial. Là, je sens vraiment mon corps qui s'est habitué. Bon, je sens clairement le froid, mais ça fait 1 minute 50. On va clairement tirer jusqu'à 3 minutes, ou encore 55 secondes. On a envie de grelotter en fait, mais il faut pas. Là, il dit 9 degrés, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins. Ça dépend un peu en fait. Il y a des jours où elle est très basse et on a l'impression qu'elle est plus chaude, donc ça va. Parfois elle n'est pas si chaude et c'est dur quoi. Donc là, 3 minutes, je suis pas à l'aise quoi. Donc, ça va, mais je suis pas régalé. Encore 10 secondes. Et voilà. Hop, je le pousse directement comme ça. Il n'y a pas de trace qui rentre dedans. Il y a un petit filet ici où il y a la trace. Mais... Voilà. Alors là, j'aime bien, en sortant, normalement rester un peu, enfin pas me sécher directement. Là, je le fais parce que bon, j'ai un peu froid, je vous avoue. Et d'habitude, quand je suis chaud ou quand je le fais le matin, j'aime bien sentir un peu, vous voyez, sentir votre peau qui est rouge et qui se réchauffe en fait, quoi. Qui est choquée par le froid. Et donc rester 20 secondes, enfin prendre mon temps quoi, en fait, en remettant le capot là, à la bâche. Et en le séchant gentiment quoi. Bon après il faut pas forcer non plus, mais... J'aime vraiment pas forcer, donc en ce moment j'aime bien aller assez doucement. Je pense qu'il y a vraiment un truc à... Enfin que c'est vraiment un truc à faire graduellement. Donc voilà. Et la nuit tombe, dit c'est fou. Là, il n'est même pas 16h30 et il fait déjà presque noir. Ben voilà, on voit vraiment que c'était pas si froid parce que mon corps est pas tellement choqué quoi. Ma peau est pas si rouge. Bon, elle l'est quand même un peu, mais je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais ça contraste pas beaucoup avec mon maillot et mon essuie.
Mais ça va, quoi. Il y a une semaine et demie, là, quand il avait 1 degré, peut-être même 0, enfin 0, 1 ou 2. Quand on sort, on est plus choqué, quoi. Mais c'est bon. Et voilà, session d'ice bath finie. Maintenant, on peut attaquer le workout. Et c'est parti. Comme je vous disais, ice bath fini. Maintenant, c'est parti pour un workout, pour une petite session de musculation, essentiellement avec le poids du corps. Je vais faire les pecs et les abdos. Et après, on verra si je vais terminer la séance avec quelque chose d'un peu plus différent, quoi, juste pour me marrer. Donc, je mets mon chrono en place. Et ma base, à la base de mes workouts maintenant, c'est toujours 10 pompages toutes les 45 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je fais 10 pompes toutes les 45 secondes. Pendant un quart d'heure. Ce qui fait un peu plus de 150 pompes, puisque je l'ai fait un peu moins que toutes les minutes. Et il y a 15 minutes dans un quart d'heure. 45. Allez, c'est parti. Pour 10 autres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est la base de mes workouts. Et j'essaye de faire ça depuis un moment parce que je fais très peu de musculation. J'en ai fait très peu. Mais j'essaye de faire ça parce que... pour commencer la musculation et pas m'agresser non plus avec des poids hyper lourds dès le début. C'est pas mon but. Puis je veux varier, je veux aussi faire pas mal d'exercices avec le poids du corps, calisthenics, comme on appelle ça. Donc ça, c'est mon but. Donc oui, construire cette base, quoi. Vraiment pouvoir être... avoir une force... une force assez... de base, quoi, en fait. Être fit, en fait. Et pouvoir faire toute une série de mouvements en fait, fonctionnels de la vie de tous les jours grâce à des exercices vraiment simples en fait, comme des abdos, des pompages, des squats avec le poids du corps, quoi, des trucs très à l'ancienne en fait. Des tractions aussi, ça je devrais en faire un peu plus, quoi. Mais je fais essentiellement des pompages là, dans ma routine, enfin pendant ce premier quart d'heure pour parce que j'ai des très très petits pectoraux en fait, proportionnellement. J'ai un dos plus développé que mes pecs, donc j'essaie de faire un peu plus ça. Et c'est pour ça que je commence toujours par cette série de pompages. 8, 9 et 10. Un petit caillou. Pas toujours agréable. Donc voilà, ça fait 3 minutes là. J'essaie aussi de bouger un peu pour me détendre. Les hanches, le bas du dos, dans lequel je suis souvent un peu coincé. Et les bras. Allez, c'est parti. Encore 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Au début, c'est assez facile. Mais après, ça devient plus chaud. Mais bon. Ça reste une routine assez cool. Mais c'est pour ça que je veux... Pour l'instant, moi, je veux pas forcer. Je veux faire un truc vraiment cool. Pour reconstruire vraiment ma base, quoi. Je sais pas si j'ai toujours ce mot en tête, mais... C'est pour me dire un peu... En fait, je pense que ce qui compte, c'est la consistance, quoi. La constance. Consistent, en anglais. Mais c'est toujours... pour vraiment... pas trop en faire trop vite, trop fort, parce que sinon on est dégoûté, ou... On construit pas une routine, en fait, quoi. Et du coup, ben, c'est moins bon pour le corps, pour l'esprit aussi, et... On fait yo-yo, en fait, quoi. On se remet super, super bien en forme en faisant plein d'exercices et puis on arrête. Mais c'est pas mon but. 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Non, mon but c'est de pouvoir vraiment reconstruire cette base et être fit tout en prenant du plaisir, quoi. À la base, la musculation, c'est pas mon plaisir. Moi, ma passion, c'est le surf. Et maintenant, comme je suis rentré en Belgique et que je vis plus près de la plage et de la mer, mais il faut bien que je trouve des occupations. Et donc, je me suis mis au sport, en fait. Enfin, j'en ai toujours fait beaucoup, mais il faut que je trouve des alternatives au surf, quoi. Donc la salle de sport ou le fitness, au sens large, c'est un bon terrain de jeu, quoi. En plus, moi qui m'intéresse à la santé, ça fait un peu d'une pierre deux coups. Déjà, un peu tousser, essayer tout ça par moi-même. 4, 5, 6, 7, 8, et voilà. Voilà. Les 15 minutes de pompage sont finies. Donc maintenant... Je vais attaquer dans 15 secondes. Je vais faire un quart d'heure de gainage. Différents types de gainage, vous allez voir. Au début, j'essaie de faire une minute, une minute, une minute, une minute. Hop, les pompes ont bien fonctionné. C'est parti. Hop, attends. J'avance un peu le tapis. Voilà. En fait, je fais une minute comme ça, en gainage classique. J'essaye d'être bien plat. Après, je fais une minute sur mon bras gauche, donc de profil, de côté. Et puis, je fais une minute sur mon bras droit, de l'autre côté. Toujours en essayant d'être bien horizontal. Le bien plus horizontal possible. Et puis... Je fais la dernière minute, donc la quatrième minute, vous verrez, en position pompage, en fait. Comme ça travaille un peu d'autres muscles dans mes bras, dans mes épaules et dans mes pectoraux et surtout dans mes abdos. Voilà, la première minute est faite. Et là, je me mets en position latérale comme un drapeau pour travailler les abdominaux sur le côté. J'essaie de mettre ma main comme ça parfois pour essayer de tenir mieux en équilibre. Mais parfois je la repousse. Une minute comme ça aussi. Ça fait 30 secondes. Et voilà, une minute de l'autre côté, et puis une minute en position pompage, en gainage, mais position pompe. Et j'essaye de faire ça, d'alterner
de faire ces cycles pendant un quart d'heure. Comme ça, j'aurais fait un quart d'heure de pompage au début, genre toutes les 45 secondes. À la fin, je terminais toutes les 30 secondes pour un peu plus me chauffer. Mais au début, c'était toutes les 45 secondes. Donc, premier quart d'heure de pompage. Là, je suis bien chaud et je fais un quart d'heure de gainage pour les abdos, mais je sens que ça travaille bien aussi les bras, les épaules, toute la stabilité du corps, du tronc. C'est important, surtout pour plein de sports en fait. Et même pour la vie de tous les jours, et pour le surf, c'est très important d'être gainé. Voilà, et la dernière minute du cycle, en position pompage, comme ça. J'essaie de pas mettre mes fesses trop haut pour être bien plat à l'horizontale. Et je répète en fait ces quatre étapes. Chaque fois pendant une minute, je le répète pour faire un quart d'heure, quoi. Parfois à la fin, quand je suis trop mort, je fais 45 secondes de chaque côté, mais ça dépend un peu de l'humeur du jour. Et voilà. Voilà, le quart d'heure de pompage est fini. Et le quart d'heure de gainage est fini. Maintenant, je vais faire encore 10 minutes d'abdominaux. Un peu mixte, en fonction de ce que j'ai envie. Je vais commencer par des petits latéraux. 30. Et puis, des trucs comme ça, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais ça fait travailler un peu les jambes, mais surtout les abdos, d'une autre façon. Secondes de repos et c'est reparti. Le truc en fait, c'est de bien lever la tête et le haut du dos pour faire travailler ces abdos là en bas, dans le milieu et dans le bas du ventre. Parce que si on le fait coucher comme ça, ça fait moins d'effet. Faut vraiment soulever en fait. Ça commence à bien brûler là.